Les élections cantonales approchent à grands pas. Les 20 et 27 mars prochains, vous devrez élire vos conseillers généraux. La durée de leur mandat sera de 3 ans, car en 2014, ils seront remplacés par des conseillers territoriaux. Les candidats sont déjà dans les starting blocks. Patrick Kanner a présenté aujourd'hui son bilan de conseiller général du canton Lille-Sud-Ouest. Il est revenu sur la construction de 3 collèges, également la construction du nouveau pont de Canteleu. Pour éviter les abstentions, Patrick Kanner vise sur une campagne de proximité. On l'écoute au micro de Baptiste Blic. Le grand débat qui nous attend, c'est de lutter contre l'abstention. L'abstention qui progresse dans ce canton, comme malheureusement partout en France aujourd'hui. Cette élection va se dérouler sans élection municipale concomitante ou sans élection régionale concomitante. Et donc notre enjeu, ce sera de lutter contre l'abstention et notamment de dire au peuple de gauche que s'il rejette, et à juste titre, la politique injuste du gouvernement et de Nicolas Sarkozy aujourd'hui, il ne faut pas qu'il ne le rejette que dans la tête, mais qu'il le rejette aussi par l'effort si petit à faire, mais en allant voter les 20 et 27 mars prochains.